so funny about that. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir à ma tête, on est très très tôt le matin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ce mois de janvier. Je vous prends aujourd'hui dans ma morning routine avec mon chien. Je me prépare en même temps que je vous parle. Je voulais vous montrer l'organisation que j'ai et tout ce que je fais avant d'aller en cours avec Albus le matin, l'organisation de la matinée, etc. Ce matin, c'est moi qui ai la balade et j'ai très peu de cours après. J'ai genre 2 heures de cours dans la matinée et après c'est surtout du travail à la maison. J'ai très peu de cours ce matin, j'ai 2 heures de cours en présentiel. Et le reste de ma journée, c'est du travail à la maison toute seule, quoi. Il y a le bus qui me rejoint, il est là, vous le voyez pas, mais... Vous le voyez pas, mais c'est vraiment un pot de colle, il est juste là. Tous les matins, déjà, la première chose que je fais, c'est que dès que je me réveille, je le descends faire pipi. Parce qu'il a attendu toute la nuit pour faire ses besoins, donc c'est le premier truc que je fais au réveil. Je le descends en bas dans la résidence. Et ce que j'aime bien faire quand j'ai pas beaucoup de cours le matin, c'est de le sortir une demi-heure le matin dans la résidence et une demi-heure le midi, soit dans la résidence... Soit je fais un petit tour du quartier, etc. Comme ça, moi, ça me fait gagner du temps et je prends pas une heure et demie le matin. Et lui, ça lui fait deux balades plus courtes, mais deux balades. Et en général, quand moi, j'ai la balade du matin, Enzo, il a la balade du soir. Et comme lui, il a une voiture, il va au bois, donc voilà. Le matin, je me lève assez tôt parce que mes cours commencent à 9h. Et je me lève plus tôt pour pouvoir avoir du temps avant de commencer ma journée de cours. Donc sachant que j'ai la balade à Albus en plus... Ça fait très tôt. Ce que je fais tous les matins, je sors à Albus, je range un petit peu l'appart, je fais le lit, etc. Et après, en remontant, je me prépare. Donc je prends pas trop longtemps à me préparer. Là, je vous parle en même temps, donc je suis un peu plus lente. En général, je suis pas très longue à me préparer. Du coup, je me lave, je me maquille, je m'habille. Et une fois que j'ai fini ça, je descends pour faire sa balade. Et comme ça, quand j'ai terminé sa balade, en remontant, je peux prendre mon petit déj et travailler en déjeunant. Et je suis déjà prête, habillée, maquillée, lavée, etc. J'aime bien faire comme ça. Comme ça, quand j'ai fini sa balade, je lui donne à manger. Je sais que je peux commencer ma journée, que je suis déjà prête. Donc écoutez, là, je vais faire mes cheveux, je vais prendre ma douche, je vais maquiller. Il faut retrouver pour la balade. Et bon.
faible. Bon, je rentre de sa balade. Donc on a fait les 30 minutes de balade dans la résidence. Là, je donnais à manger. Donc là, il est en train de manger. Si vous entendez des petits bruits de bouche derrière, c'est Albus. Pendant les balades du matin, quand c'est moi qui les a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit je sais que je vais avoir cours toute la matinée slash toute la journée. Et du coup, dans ce cas-là, je fais une balade de 1 heure, 1 heure et demie. Je vais dans un parc ou je vais à côté de chez moi. Quand j'ai 2 heures de cours le matin et que je sais qu'à midi, je serai là et tout, je fais une demi-heure. Comme ça, je gagne du temps le matin. Là, en plus, il recommence à faire jour tôt. Donc ça, c'est cool. Mais qu'est-ce qui fait humide dehors, c'est un truc de fou, il y a de la buée sur toutes mes fenêtres. Mais voilà, il y a des trucs que j'ai pas pu vous filmer parce que la caméra plus Albus, c'est compliqué. Et dans les balades comme ça de une demi-heure et tout, j'en profite pour faire du dressage en même temps. Ce que je fais tout le temps quand je fais une balade dans la résidence. Moi j'ai de la chance parce qu'on a une grande résidence au niveau du parking et il y a des espaces verts un peu partout. Donc pour ça franchement j'ai de la chance parce que même il n'y a pas beaucoup de voitures et tout, donc ça c'est cool. Donc oui, quand je joue avec Albus, je joue avec 2 balles. Avoir un petit braque de moins d'un an, je peux vous dire que c'est du taf. Donc il faut user des stratégies pour le crever. Quand je le balade une demi-heure, on joue au bal tous les deux. Donc on joue au bal 15-20 minutes et après ça, je fais 10-15 minutes de marche en laisse pour lui apprendre la marche en laisse et pour pas qu'il tire. Parce que pendant longtemps, on n'a pas pris le temps de le faire. Et en fait, en balade, il commençait à tirer comme un malade. Et on aurait dû le faire plus tôt, mais on n'avait pas trop le temps avec la reprise des cours et tout. Enfin, en tout cas, on prenait pas le temps. Là, ce qu'on fait, c'est que tous les jours, on fait de la marche en laisse avec lui, soit en fin de balade pour qu'il redescende un petit peu au niveau énergie et qu'il se calme. Et moi, j'en fais entre midi et deux, quand je rentre entre midi et deux. Et donc, en général, je le descends toujours entre midi et deux pour qu'il fasse ses besoins à midi. 10-15 minutes de marche en laisse aussi quand j'ai le temps. Sinon, je le descends juste pour faire ses besoins. En tout cas, il fait au moins une fois de la marche en laisse par jour. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais petit déjeuner. Mais je vais pas vous montrer dans cette vidéo mon petit déj. Parce qu'en même temps que je tourne cette vidéo, je tourne une autre vidéo qui est à 24 heures dans mon assiette. Là, franchement, je suis en train de rusher les dernières vidéos de janvier. Au moment où vous voyez ces vidéos, ça fait déjà plusieurs jours que vous avez des vidéos tous les jours. Et moi, à cette heure-ci, là, je suis encore en train de travailler dessus. Donc, pour être dans les temps, il faut qu'aujourd'hui, je tourne 2 vidéos en même temps. Donc, je tourne la morning routine avec Albus et en même temps, je vous fais un 24 heures dans mon assiette. Donc, vous verrez mon petit déj dans la vidéo 24 heures dans mon assiette. Voilà. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon petit déj et je vais travailler une petite heure sur mon bureau avant d'aller en cours. Je déjeune en même temps, comme ça je gagne du temps. Et comme je suis déjà prête, après j'ai juste à prendre mon sac et partir en cours. Ça c'est un truc que je voulais absolument qu'on lui apprenne, et Enzo aussi. Nos potes à Arras ont un ascenseur. On a pu l'habituer à l'ascenseur dès tout petit chez nos potes. Et en fait à la maison, ici on a des escaliers pour descendre dans la résidence vu qu'on est en appartement. Et on voulait dès le départ l'habituer à attendre avant de descendre les escaliers, parce qu'on se dit que si un jour on est quelque part et qu'il y a des escaliers et qu'il est pas en laisse mais qu'il est en liberté, on veut lui apprendre qu'avant chaque escalier il faut nous attendre et qu'on lui dise oui c'est bon tu peux descendre. Comme ça en fait il tape pas des sprints en bas d'escalier. Mais des fois le portail est ouvert, et surtout dans la résidence il y a beaucoup de chats et il y a des chats qui sont pas très cool qui veulent se bagarrer avec Albus. Et comme lui il est super gentil, il va toujours dire bonjour, mais un jour ça va partir en cacahuète. Voilà, c'est un truc qu'on voulait lui apprendre, de à chaque fois qu'il voit un escalier de nous attendre. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on fait. J'ai un peu galéré à prendre la caméra pour vous montrer ça. Et un autre truc que je fais, que quand on rentre de la balade, et ça pareil c'est un truc que je voulais qu'il ait, parce qu'Albus il fait beaucoup de balades dans les bois, dans les parcs, dans la nature et tout, donc dès qu'il a plein de boue, quand il rentre et qu'il tape un sprint sur le canapé ou sur le tapis, c'est pas ouf. Donc le fait de lui apprendre à attendre dans l'entrée avant de lui dire c'est bon vas-y tu peux rentrer, quand des fois il rentre et qu'il est plein de boue, on peut le nettoyer avec sa serviette avant de rentrer, donc ça c'est trop pratique, c'est trop cool. Donc voilà, petit tips si jamais vous avez un chien ou alors si ça vous intéresse. Et de toute façon je vous montre ma morning routine, donc je vous montre tout ce que je fais avec lui. Là il a mangé, il va faire dodo, je vais vous le montrer parce qu'il est trop mignon. Il est fatigué hein. C'est un petit chien fatigué ça. Bonjour.
Bon, je vais te laisser dormir, mon petit loup. J'ai fini déjeuner, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais préparer l'appartement pour la solitude. Et oui, parce que Albus n'a pas un an, et comme tous les chiens qui sont encore un peu adolescents, en ce moment il est dans une période où il n'arrête pas, il ne s'arrête jamais. Et donc on a eu des belles surprises en allant à l'école, en partant à l'école et tout, en rentrant à la maison et en voyant qu'il avait fait des bonnes conneries. En ce moment il est dans sa période où il nous colle à fond. Donc tout ce qui est solitude et tout, c'est pas facile pour lui en ce moment. Et vous l'avez vu ce matin dans le lit, parce qu'il dort pas avec nous la nuit. Mais le matin, il aime bien nous rejoindre en bas du lit pour dire bonjour, se réveiller, faire des câlins et tout. Donc ça, on l'autorise et y a pas de souci. Mais on évite qu'il dorme avec nous. Et là, en ce moment, le matin, il vient dans le lit, il nous rejoint et il nous colle. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare l'appartement. Un minimum, on range genre un minimum l'appartement pour pas qu'il y ait trop de dégâts ou que ça puisse être dangereux pour lui. On rend pas l'appartement médical parce que faut pas non plus faire ça, parce que si un jour on oublie quelque chose, il va pour sûr le manger. Et juste ranger un minimum, par exemple la Monstera qu'on a achetée. Vous avez été nombreux quand on l'a acheté à me dire que c'était toxique pour les chiens. La semaine même où j'ai acheté la Monstera, vous me l'avez dit en commentaire. Et heureusement que vous me l'avez dit. Du coup, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on part, la Monstera, on la met dans la chambre. Comme ça, il est pas dans le salon avec la Monstera et il peut pas la manger et potentiellement mourir. Donc voilà. Donc là, je vais ranger un peu l'appartement. Là, regardez, il est juste ici. Il sait que je vais partir à l'école. Du coup, il fait sa comédie et tout. Donc là, je vais ranger l'appart pour partir. Je prépare mes affaires et j'y vais. Regardez, j'ai fait des petits banana bread. J'ai essayé une recette, si ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une recette qu'une dame, elle a repris de Cyril Lignac, elle l'a adaptée en mode un peu vegan et tout, parce qu'il n'y a pas d'œufs dedans. Et franchement, ils sont excellents, ils sont super moelleux et tout, ils sont trop trop bons. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos. Regardez-moi cette petite tête qui fait son petit malheureux, t'as des crottes d'œil en plus parce que t'as dormi. Bah ouais, un cher malheureux toi. Bah oui, ça se voit. Je suis crevée, ses yeux sont tout rouges. Mais il veut pas que je parte. J'ai été me brosser les dents, j'ai mis mon petit gloss et mon crayon. Terminé de ranger l'appartement, je vais vous montrer. Donc j'ai vraiment rangé le bureau pour qu'il soit clean à fond. Ça et ça, c'est des affaires que je vais prendre avec moi pour aller bosser. Donc là, ce qui va rester en fait, c'est juste là le sous-boc Game of Thrones et la ring light. Ça, le linge qui sèche, il va rester ici, il va continuer de sécher ici parce que derrière en plus il y a la tour avec les livres et là il y a la box et les sacs de courses et comme ça en plus ça empêche qu'ils puissent aller aux livres et qu'ils puissent toujours les avoir en visu, donc c'est pas plus mal. Le fauteuil, j'ai rangé un petit peu la couette. Je vais laisser son bois juste ici. Et là, c'est un petit jouet de fouille qu'on fait quand on fait de la solitude souvent. Donc on met des croquettes dedans et on fait un nœud. Et comme ça, il défait le nœud et voilà. Il a son petit lit avec ses trucs. Et là, j'ai tout enlevé, donc je laisse ça. En fait, il monte, il met ses pattes là en hauteur. Donc je laisse ça. Et juste avant de partir, au dernier moment, je vais emmener la Monstera dans la chambre. Donc voilà, tout à l'heure, j'ai fait une petite session câlin avec lui. Là, il est parti faire sa vie dans la chambre. Je fais pas de câlins ou de gros bisous et tout avant de partir. J'ai pas envie qu'ils disent qu'à chaque fois que je fais un câlin, un bisou ou quoi, ça veut dire que je vais partir. Donc du coup, tous les matins et tous les soirs, je fais quand même une petite session câlin avec lui, le midi et tout. Mais pas juste avant de partir, en mode je fais un câlin, en mode bon, au revoir et tout. Quand je fais de la solitude, juste je me prépare et je m'en vais comme si de rien n'était. Et quand je rentre, je fais comme si de rien n'était aussi. J'attends qu'il se calme parce que quand on rentre, Enzo et moi, à chaque fois, il est super super content, évidemment. Donc il se dandine partout, il chouine et tout. Pas lui répondre tout de suite pour pas le conforter dans le fait qu'il est stressé ou quoi.
on l'ignore, on fait comme si de rien n'était. Et quand il est un peu redescendu et calmé, bah on fait un petit câlin, on lui dit bonjour, on ouvre les bras. On lui dit un câlin parce qu'on lui a pris l'ordre du câlin. On lui dit un câlin et il vient nous faire des câlins et voilà. Mais là, du coup, je vais aller en cours. Je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblent mes matinées avec Albus. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous montrer une matinée assez représentative de ce qu'on fait tous les jours. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve jeudi prochain pour une autre vidéo avec Albus. En attendant, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, parce qu'au mois de janvier, c'est une vidéo tous les jours. Bisous !